Bonjour et bienvenue chez nous. Hallo, willkommen bei unserem Wohnung. Ça veut dire bienvenue dans notre appartement. Hein, Joya, tu dis bonjour. On est à Altenmarck, qui est à peu près à 45 minutes, une heure de Salzbourg. Et justement, c'est aussi 15 km avant Schlamming. Pas loin aussi des pistes d'entraînement, notamment Reiteralm, là où je passe énormément de mon temps durant l'hiver pour m'entraîner, généralement dans des bonnes conditions. C'est la troisième année qu'on est ici l'hiver et ça fait une grosse différence. Rien que de fait, dans la logistique, on est quand même beaucoup plus central. Au niveau des entraînements aussi, quand tu as un site d'entraînement unique, c'est quand même plus facile. En France, pour le moment, on n'en fait que très peu du snow farming. C'est à moindre coût, ça permet d'être prêt vachement tôt dans l'hiver, ça fait une sous-couche. Venir en Autriche, ça a été une décision qui a été relativement simple, dans le sens où c'était soit on venait en Autriche et on avait un pied à terre où on pouvait rentrer entre guillemets à la maison, soit on ne rentrait pas en fait. Donc du coup, ça c'était justement un des problèmes, on était tout le temps sur la route, tout le temps en déplacement, jamais à la maison. Lui, la facilité, c'est que Salzbourg, c'est à côté. Qu'il a aussi un de ses partenaires qui lui organise des voyages rapidement avec un avion pour aller d'une station à l'autre, pour aller à Berne, pour aller là à Lévis. Pour lui, c'est pratique ça. C'est sûr que c'est pas évident au début quand il a fallu faire le choix, mais au prorata de laisser ta maison ou alors de la garder, mais de faire à chaque fois 10 heures de route, tu te rends vite compte qu'au final, quand tu arrives chez toi, si c'est pour juste vider ton sac et le refaire et repartir, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc c'est pour ça que d'avoir notre appartement ici, on se crée un peu notre cocon hivernal et t'as ton petit chez toi, même si c'est pas chez nous. Quand on rentre, on laisse nos affaires, on a nos repères, on se fait notre nourriture. La particularité d'Alexis, c'est qu'il fait beaucoup de disciplines. Hormis la descente, il les fait toutes. Donc à partir de là, tu ne peux pas non plus coller à un fonctionnement qui est pur géant ou pur slalom. Tu as besoin de jongler. Pendant 2 ans, on l'a fait en jonglant un petit peu entre les groupes, en gardant un peu notre système, notre programme ici aussi de temps en temps. Et c'était quand même pas mal. L'année dernière, il fait une bonne saison. Et cette année, c'est juste un pas supplémentaire. C'est un léger gap par rapport à l'année dernière. Mais l'année dernière, on avait déjà une structure d'entraînement qui était déjà dans ce sens. Donc ça s'est fait quand même progressivement. Pour lui, d'être ici, c'est tout simplement c'est une économie d'énergie, des séances qui sont très rentables. La station, par rapport à ça, met vraiment en place que ce soit des pistes, des horaires aussi adaptés pour nous. On a vraiment la possibilité de préparer les pistes comme on le souhaite. C'est l'un des rares endroits où, peu importe le temps qu'on peut avoir, on va retrouver en 1 voire 2 jours, au grand maximum, des conditions qui sont dignes de Coupe du Monde. C'est toujours injecté, c'est toujours préparé. Quand il neige, il pousse la neige. Quand il pleut, et on peut saler. Et à force, ça fait de grosses différences sur l'ensemble de l'hiver. Tu vois, ce matin, t'as un skidoo pour une personne. T'as une piste qui est fermée aux touristes alors que la station est ouverte. Ils ont fait des rollers de malade. La piste est dure. Si on a besoin d'arroser, c'est OK. On a besoin d'une piste en géant, ils nous la trouvent. On a besoin d'une piste en slalom, ils nous la trouvent aussi. Pour l'instant, ils ne nous ont jamais dit non. Mais ils nous disent, c'est pas qu'ils ne nous disent pas non à nous, c'est qu'ils disent toujours oui à Alexis. Pas non plus se tromper. Ici, le ski alpin est le sport national. Hein. Donc il y a énormément d'efforts humains, mais aussi de personnes et de moyens qui sont mis en place tout autour de nous pour toujours essayer de nous apporter, de nous soutenir le plus possible. Et on le retrouve pas forcément partout. Pour eux, Alexis, c'est maintenant, et puis dans l'esprit de pas mal de gens, c'est le numéro 1 mondial. Donc ils sont contents d'avoir une personne comme ça leur fait aussi de la publicité.
C'est peut-être des choses dans lesquelles nous, en France, on aurait besoin d'utiliser plus. Ok pour moi. Après les mondiaux, après de Saint-Moritz, après le bilan, il était très simple. C'est qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait que j'en ai ras-le-bol, où sont les problèmes, pourquoi j'arrive pas à enchaîner des hivers entiers. C'était du fait que finalement, des fois, je subissais complètement le calendrier. Et donc, j'avais la tête complètement sous l'eau, j'arrivais pas du tout à récupérer. Il fallait qu'on court après des endroits d'entraînement. Mais moi, vu que je cours déjà après les courses et que je dois en plus coup de ça, je devais courir après des lieux d'entraînement, ça faisait que j'explosais complètement. Et c'était surtout un ras-le-bol du fonctionnement-là, dans le sens où j'étais sans arrêt en train de subir, quoi. Moi, il m'a dit, je fais pas une saison de plus, quoi. Si à la fin de l'hiver, il n'y a pas quelque chose qui change, j'arrête. Et j'arrête, je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui fait? Et il m'a dit, en fait, je me rends compte que je suis dans un fonctionnement qui ne me correspond pas. Finalement, je suis des décisions et je suis un groupe qui, parfois, propose des choses qui ne me vont pas. Et je les fais à contre-cœur. Et au final, je m'impose des choses. Donc, au bout d'un moment, je les fais sans envie. Et quand tu fais les choses sans envie, c'est que ce n'est pas bon, quoi. On échange quand il a besoin. C'est comme les corrections techniques sur le banc de la piste. Quand on sent qu'il a besoin ou qu'il est à l'écoute, on parle, mais sinon on parle pas. Quand il a vraiment quelque chose à tester, il nous demande notre avis. Qu'est-ce que tu as pensé entre la manche 4 et la manche 5? Tu vois une différence? Généralement, ça, les deux, les informations qu'on peut lui donner, nous, sur le terrain, et lui, son retour, son feedback, généralement, ça se regroupe. Lui, ce qu'il a besoin, c'est vraiment avoir de la sérénité autour de lui. Après, il sait ce qu'il a à faire. Ça va être juste des petits rappels. Il a besoin d'un œil de coach, c'est des petits points techniquement pour échanger. Savoir ce qu'il nous demande, ce qu'il nous a pensé, tel manche, sur telle porte, tel enchaînement. Et après, c'est des personnes très sereine autour de lui et que lui il fasse son job. Voilà, vu que je suis tard, faut que j'aille vite et fort. Et donc, du coup, les deux genoux qui vont bien. Ouais, et puis là, attends, pas la vitesse pour passer. Bah ouais. Ok, demain, comment ça se passe? Moi, j'ai vu les horaires, mais on peut s'aller si jamais. C'est sans doute quelqu'un qui est timide au premier abord. Sûrement. Nous, il est un peu moins maintenant. Mes sentiments, je vais pas les dire simplement. Je vais pas aller. Si j'ai des problèmes, je vais pas forcément. Si j'ai des problèmes, je vais pas forcément le dire facilement à n'importe qui. Pour un sportif, c'est pas un atout, hein, ça. Hein. C'est-à-dire qu'un sportif, au contraire, c'est mieux quand il a un problème, il évacue. Derrière, tout de suite, c'est beaucoup plus simple. C'est quelqu'un qui ne fait pas facilement confiance, qui souffre pas facilement. Et quand on a commencé à Saint-Moritz à m'introduire un peu dans ce monde, il s'est rendu compte qu'il avait quand même besoin de personnes proches de lui pour justement pour s'ouvrir et pour plus facilement aussi partager ses doutes et ce genre de moments qui sont un peu difficiles. On voulait avoir un équilibre où moi je me sens épanoui, où les choses, faut que quand elles doivent être dites, il faut qu'elles soient dites. Donc du coup, quand on travaille avec des personnes qui sont plus de confiance, c'est toujours plus facile. Donc avec des personnes qu'on connaît, c'est aussi plus facile. Et ça, c'était le côté le plus important.
c'est très très bien d'avoir des personnes qui sont à la pointe toujours de leur, de leur milieu, de leur secteur. Je sais pas le chiffre exact, mais bon, on doit passer 250 jours par an ensemble. Donc autant que ça se passe bien, quoi. I said that you are worse than the animal in Botswana. One time you're here and 1 second after you are gone. Donc la vie personnelle se mêle à la vie de couple, enfin la vie de couple se mêle à la vie professionnelle et ça se mêle bien, je trouve. On a quand même la chance de vivre des moments et des émotions que pas beaucoup de monde dans une vie ont la chance de vivre. Donc je prends ça comme une chance, et même si ça demande beaucoup, même si c'est pas commun, je trouve qu'on grandit jour en jour, et puis ça nous unit aussi, et puis je trouve que de travailler comme ça, c'est aussi un avantage pour lui. Je le sens quand même plus épanoui et plus ouvert et moins stressé dans son quotidien, parce que ça facilite beaucoup de choses quand même. Et le fait qu'il se connaît maintenant, qu'avant il était vraiment dans l'optique il faut que je m'entraîne, il faut que je fasse des jours, il faut que je sois tout le temps à fond, toutes les manches et machin. Et il se rend compte qu'en fait, mentalement, il se mettait une pression, une exigence sur lui-même qui était fatigante à la longue. Il y a des gens, ils payent pour faire ça pendant les vacances, et moi, c'est mon quotidien. Donc déjà, de se rendre compte de la chance qu'on a et qu'il a de faire ça, ça, ils s'en rendent vraiment compte, plus qu'avant, je pense. Ça arrive un moment dans sa vie où il est aussi plus mature, il prend plus de recul sur les choses, c'est surtout ça la différence par rapport à il y a quelques années. Et de te dire que la vie, elle bascule tellement vite, je pense que l'accident de David, malheureusement, a fait aussi relativiser beaucoup de choses. Et il est aussi beaucoup plus relax. Il essaye de prendre du plaisir sur les courses. Je pense qu'il a plus grand chose à prouver dans le monde du ski. Moi, c'est ce que j'ai ressenti de l'extérieur. C'est vraiment un gros soulagement et on sentait qu'il s'amusait, quoi. L'année dernière, je pense qu'il a fini deuxième. Il a été heureux comme un pape parce qu'il s'est régalé. Et à la fin de l'hiver, s'il s'est régalé et qu'il a perdu le globe pour 2 points, c'est pas grave. Non, c'est pas tous les jours comme ça. Il y en a qu'un qui bosse. Moi, je choisis les journées. Quand c'est facile, je fais. Sinon, je tiens à le mettre quand c'est trop dur. Nico, il est jeune, il a besoin de travailler. Hé, hey, Nico, bon Dieu! T'as vu, on lance le piqué, on est pas mal non plus. Hein.